Salut à tous! Alors, aujourd'hui. Ah oui, la cam. Aujourd'hui, on se retrouve sur Palworld. Du coup, Palworld c'est quoi? Survey crafting, capture de monstres, FPS, open world, multijoueur. Voilà, donc on va avoir des guns et des créatures à capturer. Combinaison assez particulière, je sais. Mais ça va être bien. Il coûte une trentaine d'euros sur Steam, disponible sur le Xbox Game Pass. Attends, je fais ça comme si j'étais sponsor, mais pas du tout. Il est en Early Access. Donc, je crois qu'ils veulent rester pendant au moins un an. Hein. Ils vont sortir une roadmap dans pas trop longtemps, si ce n'est déjà fait. J'avoue que je sais pas trop. Mais on verra du coup ce qu'ils vont faire sur le court, moyen et long terme. Du coup, développeur Pocket Pair. Donc, ceux qui connaissent Craftopia, je l'avais fait il y a quelques années. Sur YouTube. Je dois avoir une cinquantaine d'heures environ, un truc comme ça. C'était pas mal, mais Palworld va être mieux, je pense. Et bien, objectif 100% du jeu. Alors là, il y a des succès, mais bon, c'est version Early Access, tout ça. Donc, on va faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Il y aura de la construction de base. Il y aura du farming. Il y aura tout ça. Est-ce que on est bon? Comment c'est? Attends, il y avait guide de survie. Après, il y aura un tuto de toute façon. But du jeu, terrasser les boss. Attraper les pals. Tatabas, tout ça. Des êtres mystérieux. Et ça, on va le voir dans le tuto de toute façon. Jusqu'à 5 pals. Et une boîte à pals. Interface. Alors normalement la cam ici elle gêne pas trop sauf peut-être un truc. Mais j'ai un bouton pour l'enlever donc au pire. Fabrication donc ça ouais. Technologie. Utiliser des points de technologie. Ah oui. Est-ce qu'on a des points de stats? Il me semble. Hein. Il me semble. Renforcer le statut. Donc classique. La boîte à pales. Capturer, donc là, il y a un taux de capture. Attends, 13%, ça fait. Ah, il faut l'amocher. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des trucs pour endormir, des buffs, pour que le taux de capture augmente. Donc, c'est un survival, donc va falloir manger. Boîte mène. C'est quoi ça? Les points mène, les pals diminuent lorsqu'ils travaillent sur le camp. Donnez-leur un beau repas ou fais-les se reposer dans une source chaude. chaque espèce de pal a des caractéristiques qui lui sont propres. Ah bah là, je vois bien sa caractéristique. Les compétences partenaires incluent la possibilité de monter des pals, encore de leur faire utiliser des armes à feu. Ah, c'est pas de base, genre il pop pas avec une gatling dans la main lui. Ok. C'est vrai que sorti de 109, t'imagines le truc. Ah oui, d'ailleurs, il y a de la reproduction, hein. Est-ce qu'il monte statut dès que le géant. Ah oui, pour les TP. Crime. Ah. Type. Ah, alors attends. Au feu, bon, ça c'est classique. Feu, ice. Ice sur dragon. Dragon sur dark. Et dark sur neutre. Du coup, neutre, ça va au final? Ouais, faudra essayer d'avoir une team un petit peu. Je sais pas s'il y a des doubles types. Ah, peut-être. Œuf de pals, voilà. La reproduction. Et normalement, il y a un truc avec. Avec de la génétique un peu. De pals. Offerte de statut. Bon, c'est un peu Genshin. De toute façon, ceux qui connaissent Craftopia, ils savent qu'il y a des mix de plusieurs jeux. Là, c'est un peu pareil. Statue Limfuk. Non mais tout ça je vais le voir sur le tuto, je viens de me spoil tout le début mais c'est pas grave. Là, là. La force de capture. Ah! Ah c'est ultra important alors. Sous-espèce. Ok donc il y en a ils se ressemblent mais pas trop, ils sont de couleurs différentes. Certains accouplements. Plus d'XP en capturant des individus. Des chances. Ah, des shiny!
Compétence passive et active unique. Je sais pas si on peut faire reproduire un certain mob avec un autre mob, mais qui sont différents. Peine de mort. Ces objets pâles sont abandonnés sur place. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ok, bon, on a vu tout ça. Commencez. Allez. On s'en fout du apostrophe S. Difficulté. On peut custom ici. Alors qu'est-ce qui change? XP reçu, change de capture, vitesse de collecte et vitesse d'éclosion des œufs réduites. Et si je fais ça? Ah oui. Ouais. Peut-être pas changer. Est-ce que je prends difficile genre? Par rapport. Ah, en plus, on voit les stats. Augmente les dégâts subis par le joueur. Oui, alors, à 1-4, je pense pas qu'on prenne 4 fois plus de dégâts non plus. Oh, ce serait. Normal ou difficile? Endurance, augmenter les dégâts. Chance de capture. Ce serait 20% en moins? Je doute. Soit normal, soit difficile. Ha. J'aime bien un petit peu le challenge, mais... Non? Difficile? Chute de l'endu. Je ferais bien un vote, mais... Disons qu'on est 1 et le 1 c'est moi, donc je vais pas me mentir. Alors. Ah, tu sais quoi? D'habitude, je les mets en difficile mes jeux. Je pense que je vais le mettre en normal. Hein. Attends, normal, il met familiarisé avec les jeux de survie. Au vétéran. Ben, moi, je suis un vétéran, moi. Sauvage assoiffé de sang dans un lieu. Non mais ça me hype. Ça... Ah, ils savent y faire. Hein. Allez. Oui. Donc, moins d'XP. Ça doit être 20% en moins. 20% de taux de capture en moins. Par contre, les dégâts, là, passer de 1 à 4. Les dégâts subis, c'est pas un peu... On va se faire... un type 2, je pense. Attends, il n'y a pas pré-réglage avant. Voilà, un truc comme ça. Oh! Attends. Pourquoi il me rappelle un... Ouais. Non, mais dans les animes, il y a toujours un vieux comme ça, là. Bon, imaginons plus ou moins jeune, vieux. Ouais, jeune. Qu'à faire. Taille devant, deux bras, deux jambes. Oh là. Bon. Ouais. Je vois bien. Je vois bien les gens. Attends, c'était comment de base? C'était 50? Je vois bien les gens faire des trucs un peu aléatoires. Là. Bon, on va peut-être changer. Avec des cœurs, des étoiles et tout là. Ouais non, des yeux classiques. Hein. Peut-être... Ouais, comme ça, ça va. Allez. Alors, cheveux. Est-ce que la couleur... Ha. Ok, la couleur retranscrite sur le stream est pas... Parce que j'ai des options, je vais peut-être les enlever. Ah, attends, je regarde ce que ça fait. Ah non, j'avais mis... Mais maintenant que j'ai lancé le jeu, je crois que... Donc ce serait mieux comme ça. Alors. Ici.
Ok. Oh! Putain, ça ressemble à ceux qui connaissent Todak. Tales of Demons and Gods. Oh mec, je sais plus le nom. Est-ce qu'on ferait pas ça? C'est pas mal. Après, souvent on voit de dos. Oh, ça va aussi. Hein. Ouais. Vas-y, on va dire comme ça. Bon, c'est un peu classique, hein, mais. Là, c'est moins classique d'un coup. Bon. Allez, 5. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Non mais il y en a, c'est pas juste des formes différentes, c'est pris un caillement dans la gueule. Enfin, je suis désolé, hein, mais. Eh vas-y, normal. Au pire, y a pas une petite barbe là? Avec ce visage là? Non, je crois pas. Hein. Est-ce que plus de muscles? Oh, il est déjà tracé, hein, mais. Ah ouais, mais non. Eh, ça fait bizarre. Hein. Ah, ça fait trop bizarre. Vas-y, c'est bon. Oui. On est parti. Oh d'ailleurs, j'ai fini le dragon là derrière. Je sais pas si on voit. Ouais, si on voit un peu. En fait, est-ce que j'ai une collection où je peux voir ce qui me manque et tout là? Genre un Pokédex quoi. Alors, je vais essayer de pas les appeler des Pokémon, des Pokéballs, tout ça. Faire un effort. Alors normalement j'ai déjà fait mes réglages. Mais juste contrôle c'est ça. Chikipi. Alors B construction. On va pas construire ici maintenant. En qualité je suis à fond. Non je peux pas les capturer de toute façon. Ramassant des branches. Ok. Où sont les branches? Ces captures. Bon, est-ce que je changerai pas la touche? Faut le faire dès le début, ça. Quoi? Attends, il voulait bien. Il voulait bien faire. Oh là. Ça... Attends, j'ai changé qu'une. Ok, bon, c'est... vas-y. Alors, c'est une sphère. Je voulais ça de base. Pourquoi ça, il voulait pas? Soit sur F ou sur D, il veut pas. Sur G. Sur R, c'est rechargé. Sur W. Ouais. Ok, parfait. Donc. J'imagine les branches vers les arbres, plus ou moins. En vrai, c'est pas mal pour une base ici, mais. D'ailleurs, j'ai pas pris le TP là. Oula. Cette île est un enfer. Je peux te filer quelques ressources de base. 10 bois de charpente. Alors, la cam a peut-être caché un peu le tuto, mais. Enfin, c'est pas grave. On voit. Il me faudra des cailloux à un moment. Voilà. Oh, niveau 2. 7 points d'un coup. Ah ouais. Éclat de Paljum.
Ativia. Alors, ah merde. Attends, pourquoi il met encore F sur ça? J'ai fait quoi là? Oh, c'est terrible. F. F n'est plus là. F lance une sphère. Ah, mais D ne marche pas pour ramasser là? Je viens de me rendre compte. Compétence partenaire. C'est où ramasser? Ah bah non, y'a pas. Ah ok. Bon bah les gars. On va faire comme ça. Si elle a pas la touche. NP. À moins que je sois complètement aveugle. Ce qui est possible, je ne suis pas bien réveillé là, actuellement, mais... Limbol. Alors attends, on va suivre le tuto. Est-ce que j'ai ce qu'il faut maintenant? Oui. Et d'ailleurs, elle m'a donné tout ce qu'il fallait. Donc, option échappe, guide de survie. Bon, ça on a vu. Appuie sur la touche B pour ouvrir le menu de construction. Et il m'attaque pas là. Imaginons, on fait ça là. Ensuite, attaque les, lance D pour capturer. J'en ai pas, faut que je la craft. J'en ai pas. Ah! Technologie. Sphère de Paltz. Oui. Ah, ça coûte des ressources pour débloquer aussi, pas que des points. Ah non, c'est les crafts. Non, c'est les crafts. Bah, tant qu'à faire. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Feu de camp, coffre. Tout sera utile, hein. Truc de réparation. Non, mais je pense que tout sera trop utile. Hop. Du coup, t'as besoin de points pour débloquer, mais en vrai, t'as peut-être pas trop de choix non plus. Je pense que tu vas devoir tout faire. Parce que tu prends... attends, c'est quoi le nom? Ikaru? Ikaru? Enfin, le jeu là. T'as des points technologiques. Mais en vrai, tu peux faire... enfin, t'as trop de choix, quoi. Tu peux pas tout débloquer. Donc, fabrique sphère, oui. Non, c'est... Ah mais d'accord, il faut des éclats. Du coup, j'en ai qu'une, là. Obtenir. Donc là, je l'ai sur moi. Non. Il me faut... Attends, tu sais quoi? Ça, je peux pas prendre ça. Juste histoire de... Attaque les pour les affaiblir et lance pour les capturer. Construire une boîte à Pals. Ah, cette zone deviendra ton camp. Bah du coup, on va pas le faire tout de suite maintenant ici, non? Sauf si on peut en faire à l'infini. Et accède à la boîte, ok. Alors, il me faut... Mon premier Tico sera lui, là. Saute pas de la falaise par contre, s'il te plaît. C'est-à-dire, il est pas à moi encore et... Ah, ça va. Ah, y'a pas un petit Pokémon haut, un petit Pals haut. Putain, c'est là, ça commence. Au pire, oh. Ah, il me faut une pioche, hein. Ouais, ça a l'air. Non, mais au pire, il est là, lui. Bon. Je sais pas, l'autre, il a fui. Ah. Attends, y en a qui sont peureux. Y'a pas une touche?
Ok, accroupi. Bon, de toute façon, faudra tous les capturer, donc au bout d'un moment. Est-ce que... Il est pas peureux. Est-ce que maintenant il est peureux là? Voilà. Il veut combattre. Ok, il charge. 70... Non, je voulais faire annuler. 70%, 82. À l'aide. C'était pas prévu. J'ai moins de pourcentage de chance là. Il me faut un morceau de palladium, il y a un coffre là. Et au pire, attends. Voilà. Develop. Bon. C'est pas très digne d'un dresseur, j'avoue. Et un truc ici. Ouvrir. Oh, j'ai une sphère. Et j'ai une méga sphère. Comment je n'utilise pas la méga sphère? 2 pour changer. Alors pour l'instant, c'est la sphère normale. J'ai une autre chance. Parce qu'il faut faire clic droit pour annuler. Est-ce qu'on a un petit poulet dans le camp? Voilà. J'ai perdu. Ouah, j'ai perdu tellement de vie par contre. Attends. Est-ce que ça me redonne un peu de vie ça? Je viens de Chicpi. Est-ce qu'il y a un monde où on peut les farmer pour obtenir leur viande? Genre, tu sais, tu fais un enclos. Donc, méga sphère. Comment j'équipe? Bon, faudra faire attention à pas l'utiliser pour rien. Ah ouais, il fuit de vachement loin. Niveau 3, c'est peut-être un peu trop pour moi. Ah, je sens que je vais mourir. D'ailleurs, j'ai... Attends, j'ai level up, là. Vieil arc. Oh, ce sera mieux, ça. Hein. J'ai beaucoup de points à chaque fois. Est-ce que je fais un lit? Tissu. Allop. Donc à faire. J'ai pas d'autres points. Paldex. Oh. Habitat. Guilde. Oui, c'est vrai qu'on peut être à pas mal de joueurs. De naissance. Attends, quoi? Donc là, dans 7 minutes 30, j'ai le mob en fait. Mais comment j'ai eu ça, moi? C'est pas en tuant le précédent? Non. Même pas. Est-ce qu'il y a un monde où je peux récupérer ma vie là? Ah oui, peut-être que je fasse un lit. Ah, mais je voulais pas m'établir ici, moi, de base. Il me faut des éclats en plus. Pour les éclats, il me faudra certainement une pioche. Allop. Obtenir. Alors. Ok, ah. Parfait ça. Niveau 3, hein. Niveau 3, mais je lui fais une attaque furtive. Alors, c'est pas un poulet du coup. Esquive. Je lui lance maintenant, sinon. Ça... Oh là, ok. C'est pas fou ça. Esquive. Maintenant. Ok. 88. 94, 95, 99, ok, c'est bon. Lamballe. Tombe à l'envers naturellement lorsqu'il tente de gravir une pente. Chef d'extraction. Ah oui. C'est un pro du farming lui. Il est où? Bouclier. S'équipe sur le joueur lorsqu'il est appelé pour lui servir de bouclier. Produit de la laine. Blessure grave. Oh. Désolé pour ça.
Stabilité mentale. Bon, ça va, on l'a pas trop traumatisé. Travaux manuels, transport, ferme. Et c'était quoi son truc là de ça là? Capacité d'extraction du joueur augmente de 25%. Attends, je le mets dans la team là, je suis déjà... Oh. Comment je l'équipe réellement? Ah, il est bon? Il y est déjà là. Ok, et si je fais W... Je fais F, ça fait un bouclier sur moi, ça. Bah alors? Non mais... Où est le bouclier là? Instruction, appeler, lancer. Ok. Ah mais je croyais que c'était un bouclier magique moi. Ah ouais. Ah d'un coup d'un coup c'est moins bien là. D'un coup je sens les remords qui montent. Mais bon faut l'utiliser quoi. Non mais c'est abusé ça par contre. Oh là là. Bon. Reviens. Tu vas m'être utile. Est-ce que si il est dans sa Pokéball, j'ai quand même le l'extraction bonus. D'ailleurs, on va extraire, on va créer quelques pales de sphère. Il y en avait là. Et ça ferme. 25% en plus normalement. Enfin, je crois. Enfin, est-ce qu'ils m'ont dit ou pas que c'était... C'est pas précisé. Bon, on va dire que là, ça compte. Oula. J'ai récupéré un peu ma vie. Quelques éclats. Ouh. Putain, c'est du fer, ça. Minerai de métal, bon ce sera utile. Ma pioche elle en est où là? Est-ce qu'elle est amochée? Il veut pas m'aider à farmer? Est-ce que ça compte en fait? Je fais des 50. Non c'est pareil. Par contre du coup il y avait un truc. Impossible d'accomplir cette tâche. Donc est-ce qu'il y en a qui peuvent miner? Ouais, 100%. T'en envoies sur un rocher, il le mine instant. C'est sûr. En vrai, c'est pas trop ce minerai-là qui m'intéresse. Bon, on verra pour la base plus tard. Je sais pas où qu'on va se mettre. Par contre, je vais être full un moment. Je sais pas si ce genre de minerai rip-hop d'ailleurs. Attends, je me fais aggro là. Tant qu'à faire... Ouais, je peux refaire quelques sphères. Parce qu'il y a deux autres mobs dans la zone. Ok. Pour l'instant, c'est bon. Donc, on a vu qu'il y avait un coffre ici. Il doit y en avoir d'autres. Un petit peu caché, ok. Attends, non, j'ai pas craft de se faire encore. Ah, j'aime bien. C'est beau, en vrai. Enfin, j'ai vu mieux, mais... Oh, j'ai vu bien pire aussi. Non, c'est sympa. Hein. Recette. Il me faut de la pierre. Yeah. Genre ça là? Non. La nuit va tomber, ça. Bon, pour l'instant, c'est une pioche bas niveau, donc c'est un petit peu long. D'ailleurs, attends, est-ce que je peux stacker les passifs des mobs? Parce que là, je me prends 3-4 moutons.
tirer. Ça peut être pas mal ça. Je vais être full. Arme cassée en plus. Peut-être se faire un petit lit quand même. Pour la nuit. J'ai plus le droit de... Ok. Alors, déjà... On va s'en faire... 3. Ensuite... laine. Il faut plus de bois, de textile. Au niveau de la constru. Plus de bois. Au niveau du feu de camp, bois et textile. Ah, t'as pas du bois là. J'ai creusé une tombe pour chaque personne au début, j'ai raté après la 100e. Dispositif antique. Ok, il me faut du bois. Donc, hache en pierre. Il me faut 3 bois en plus. En fait, est-ce que la nuit, il y a différentes espèces de pals? Je sais pas si ça marche ça. Ah si, c'est bon. Je sais pas, il en fallait combien pour une hache. En fait, produit de la laine, est-ce que je peux en choper direct sur lui là? T'en reviens là? Non, bah, c'est bon. Il va s'enfuir, je le sens. Bon, ça devrait être assez. Ah. Nous avons ça. Obtenir. Alors je sais pas si j'ai assez pour ça par contre. Non, il m'en faut 15 de plus. De toute façon il me faut du textile. Il me faut 4 textiles et 15 bois de charpente. Après on voit bien quand même là. Et textile. Non ça c'est tissu. Oula. Oh non. En train de mourir. Peut-être faire ce qu'il me dit aussi là. Construire une boîte, allez. Est-ce que c'est très grave? Je perds un peu de vie. Je pense que ça va. Après on a pas de bois. Textile, oh bah, d'accord. Tiens, on va manger pendant ce temps-là. D'ailleurs, au fait, ça pourrit pas. Hein. Où est mon œuf? D'accord. Ah, je suis full. Bon, on va se faire la première base, vraiment, pour suivre le tuto. Mais dès que je peux, je désassemble tout ça, là. Je pars à l'aventure. Toc. Impossible. Trop proche d'un boss ou d'une installation, ouais. Ça va être par là. Hein. Accès à la boîte. Améliorer le camp, gestionnaire, voyage rapide. Bon, ça je vois.
à les appeler sur le camp. Ah, ici. Let's go. Est-ce qu'il me donne sa laine, là? Ah, il a pas de lit, du coup, il est pas content. Alors, est-ce que... Déjà, pour moi... Non, pour moi, c'est mort. Un feu de camp. S'il te plaît, ne va pas dans le feu de camp. Juste ça. Après, tu fais ce que tu veux. Bon. Déjà, ok, ensuite. Déjà, je suis presque full là. Mais bon, vu qu'on peut se TP facilement, je pourrais placer ça dans un coffre. Me barrer. Il y a peut-être un sac à dos bientôt. Nous voulons un lit pour moi-même. Est-ce que je dois le mettre sur un... Ah si, ok. Bon bah pour toi. Yep. Ton prochain boss. Vas-y, mets ça là. 20 secondes. Attends, y'a pas un pals qui peut le faire pour moi là? 100%. Faut juste trouver un pals avec des mains genre. D'ailleurs, attends, pourquoi je me fais chier à allumer un feu alors qu'il y a des pals qui crachent du feu? Et où est-ce qu'ils sont là? J'en ai besoin. Et j'ai des points de statut. Attends, pour l'instant, lorsque ton niveau augmente, appuie sur la touche Tab pour ouvrir l'inventaire et renforcer le statut. Bon, ok. Je renforce. Vitesse de travail. Normalement, c'est pas moi qui travaille au bout d'un moment. Le poids, ça peut être bien. Enduit attaque. Ok, c'est 10 par 10. Moi, je dirais enduit et attaque, surtout. Et... Ah oui, le poids. Ok, le poids. Point premier. Capturer 5 lamboles. 5 lamboles. Ah oui, c'est ça. 5 moutons quoi. Obtenir des points d'expérience bonus. D'encyclopédie. Ah c'est comme... comme Craftopia ça. C'est où? Bonus de capture, c'est ça là? Je vois pas trop... ce qu'il peut me donner si je le fais. Mais bon. Oh des vêtements. Des pièges aussi. Alors. Construire un coffre en bois. Je veux bien charpente. J'ai presque plus de pierre d'ailleurs, c'en est ça? Ouais. Je sais pas, je vais monter jusqu'à combien pour l'instant le poids max. Il y a peut-être encore un ou deux levels dedans. Après, je vais faire juste enduit et attaque. Au moins, essayer de doubler le poids, l'enduit, ça sera pas mal. Hop. Oh! Bah voilà! Lui, il a tout compris. Lui, il va pas sauter de la falaise par accident. Enfin... Non, mais quand je disais ça... Ah, il ramasse... Oh. Il ramasse... Je sais pas s'il peut miner ça, par contre. Eh bien. Ah, il met ça dans la boîte. Deux pierres. Attends, mais... Est-ce qu'il va chercher... Est-ce que la pierre existe avant qu'il y aille ou pas? Oui. Ok. Donc à un moment, il arrête de faire ça.
Donc, capturer 5 trucs, capturer 30. Non, mais je veux pas faire mon camp ici, là. Il me dit agrandir le camp et tout. Je crois qu'on va partir à l'aventure. Juste, je voulais faire un lit. Allez, un lit et. Du coup, il faut ça vite fait. C'est très vite fait, hein. Il faut un toit. Attends. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi clic droit ça fait ça? C'est pas ce que je veux. Est-ce que j'ai désassemblé? Démantèlement. Nickel. Bon, on va faire vraiment le truc basique. Tac. Un toit, c'est possible. Hop. Ah, les constructions sont bien. C'est pas trop dégueu. Non, ça me va. Je voulais un lit. D'ailleurs, est-ce que je peux le mettre en épinglé? Q? Non, c'est pas ça. Suis pas sûr. Ma hache, elle est comment, midlife? Ok, je peux faire un lit. En vrai, je vais l'emmener avec moi par contre le pals. Voilà. Maintenant, il est temps de partir en exploration. Attends. En fait, tant qu'à faire, hein. Bon, déjà ça. Voilà. Ensuite, technologie. Parce que j'avais un arc. Un peu de bois, je peux en faire un. Pourquoi pas, hein. Bouclier. J'ai déjà un bouclier. Vêtements, ça c'est bien ça. Boîte à nourriture. Ah, comme ça, les pales se nourrissent automatiquement. Sonne l'état d'alerte. Ah, il y a des raids. Et pals peuvent être capturés. Pourquoi pas? J'en ai 4 encore. La lance sera forte, je pense. Sera utile. Bah, réparation. Ouais, non, mais au final, j'ai besoin de ça. Sûr, je vais tout débloquer. Hein. Allez, le piège pour l'instant. Il me faut du bois. Il me faut du bois et après on va je ne sais où. Ça descend pas plus là, j'imagine. Un peu de textile, si ça veut drop. Là, je me fais un arc. De toute façon, attends, au bout d'un moment, t'as des fusils. Pourquoi t'aurais besoin de monter la santé? Monte juste les dégâts, ça va bien se passer. Après, j'imagine les pals, ils ont des compétences de zone et tout. La magie. Ah, c'est sûr. Je sais pas si on peut esquiver. Pourquoi pas. À me casser. Alors. Il me faut ce truc là-bas. Et au pire, il est loin. Voilà. Réparation, il me faut de la pierre. Ah, j'ai plus de pierre. Vieil arc. Nickel.
Flèche, c'est de la pierre. Bon. Est-ce que je peux refaire une pioche? Vaut mieux refaire ou réparer parce que... Il faut 10 de pierre pour ça. Est-ce que ça va marcher? 10 de pierre. Et de 1. Est-ce que j'en ai pas juste un petit peu par là? Tiens, ça se ferme ou pas? Parce que c'est différent de la pierre qui est là-bas. Non mais il faut que je les trouve au sol là, c'est pas possible. Genre ça. Et en fait, il a ramassé un peu de pierre. On pale ça. On pale. Peut-être à ramasser encore un peu. Pour l'instant, il n'y a que les trois mêmes. Il y en a une centaine de différents. Je vais voir dans la boîte. Où est la boîte? Bah. Quoi? Il en avait ramassé que deux là? Bon, j'en ai 8. Allez, tant qu'à faire, hein, 8. On y est. Oh! Ah, il y avait un éclat de paldium à la fin. Et la boîte peut être améliorée. Ah bon? Donc réparation. Pour l'instant, c'est à l'arrache. Mais on va se trouver un emplacement, on va faire une base de fou. Enfin, faudra des pales pour nous aider, évidemment, mais... Ça construit, là. Réparer. Il me faut de la pierre pour réparer. Bon. Logique. Attends, j'ai faim. La faim qui m'empêche de faire quelque chose de terrible. Mais bon. Genre, imaginons hein. Affectation à pierre. Réussi. Donc je l'envoie sur un truc de pierre, il va... Bon, il va pas le miner parce qu'il sait pas miner. Mais il va ramasser toutes les pierres, c'est ça? Et... Si je fais pareil avec du bois... Ah ouais, mais c'est un peu loin. Lui là. Oh! Affectation fixe à bois réussi. Ok, ok. Ouais, mais... Genre ça c'est de la pierre ça? Ah, y'a rien. Et du coup, il est en mode auto. Ah, j'avoue, de base, je voulais juste utiliser son corps pour dégommer la pierre sur un coup unique et sec, quoi. Mais bon. Oui.